Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéoblog, un vidéoblog sorti de salle. Oui, je sais, ça se fait beaucoup pour le cinéma, mais j'ai envie de le faire aussi pour une série. C'est relativement rare, parce que les séries, généralement, on ne les voit pas en salle. Ce soir, on a vu une série en salle grâce à MyTF1 VOD, qui va programmer en SVOD, à savoir en 24 heures après sa diffusion aux États-Unis, différentes séries, et qui prend le pari de faire même en ligne, de mettre même en ligne des séries qui sont totalement inédites, et pas simplement les saisons suivantes de Grey's Anatomy, etc. Alexandre Letraine, tu es avec moi, tu vas m'accompagner. Mais bonjour. Je suis là, bonjour Alain, bonjour à tous. Tu vas m'accompagner pour parler de ce qu'on a vu ce soir, donc un peu en avant-première, à savoir, vous allez peut-être le découvrir si vous regardez la télévision américaine dans quelques jours, mais nous, on vient de voir là, à l'instant, le premier épisode, le pilote de Hostage, une des séries phares de la CBS, avec Toni Collette et avec Dylan McDermott. Est-ce que tu peux nous résumer grosso modo ce dont ça parle, Hostage ? C'est assez rapide finalement. C'est une femme médecin qui est chargée d'opérer le président des États-Unis pour une grave maladie qu'il pourrait avoir, et 24 heures avant l'opération, elle est prise en otage par un commando qui menace de tuer sa famille si elle ne tue pas le président pendant son opération. C'est très bien résumé. Maintenant, on a vu le premier épisode, il n'y a pas d'embargo, on peut vous dire de quoi il s'agit. Eh ben, on est très énervé. C'est vraiment pas bien du tout. À savoir que c'est vraiment, d'abord, c'est bourré de clichés, c'est extrêmement mal joué et c'est bourrin comme c'est pas permis. Vraiment. Tu veux détailler ou alors tu as peut-être un autre avis ? Ah non, pas d'autre avis. En fait, on fait rentrer toutes les révélations de cette série au forceps. C'est-à-dire, allez-y, on vous met du truc pathos, on vous met du truc pas subtil. C'est des rebondissements de 24 heures chrono répartis sur une saison, mais condensés en 25 minutes. C'est ridicule, c'est des clichés à l'appel. Aucune subtilité des personnages. On n'a pas envie de savoir ce qui va arriver au personnage de Toni Collette, puisqu'on se dit que même si elle se fait flinguer par le commando, c'est pas très grave. C'est terrible, il n'y a aucune empathie pour ce personnage, et c'est d'autant plus dramatique que c'est une comédienne formidable après United States of Tara. Tout à fait, absolument. Et c'est dramatique de l'avoir arrivée dans un truc pareil, quoi. D'un autre côté, la seconde question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a des chances de fonctionner, de marcher pour un grand public désireux d'avoir une série d'action et d'aventure ? Moi, j'ai tendance à dire, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est pas vraiment un thriller, enfin, c'est un thriller un petit peu, mais c'est un thriller presque domestique, on va dire. Je ne sais pas si ça va... Enfin, ça va vite. On vous donne, en effet, plein d'informations sur tout le monde. C'est vraiment très stéréotypé. Est-ce que le public va accrocher à ça pour avoir envie de savoir la suite ? Peut-être. Surtout que c'est une série limitée. Il n'y a que 15 épisodes prévus. C'est ce qu'on appelle, mini-série, on va le dire clairement. Donc, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, on ne sait jamais comment ce qui peut plaire aux téléspectateurs, et notamment aux téléspectateurs de CBS, qui a un public qui aime les séries un peu calibrées, un peu faites pour bien fonctionner. Maintenant, on sait que c'est compliqué aussi de les attirer sur ce genre de programme où il faut revenir toutes les semaines. Et surtout quand en plus, ce n'est pas subtil. C'est-à-dire que le public américain, il est peut-être facile à avoir sur certains projets, mais il ne faut quand même pas le prendre non plus que pour un imbécile. Et les gros feuilletons comme ça, il n'y en a que très peu qui ont vraiment marché. Et honnêtement, celui-là, à part un miracle, je ne vois pas vraiment ce qui peut faire que le public de CBS, en plus un peu plus âgé, soit intéressé par ce format-là. Alors, on ne juge pas une série sur un seul épisode ou sur un pilote, là, sauf que simplement, on ne voit pas trop ce que ça peut, en quoi la suite de la série peut s'améliorer. Parce que franchement, là, on a tout. On a toutes les possibilités, on sait que la fille, que le fils, que je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, on sait tout sur tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a un peu d'espoir quand même pour la suite. On est quand même très content de pouvoir avoir vu en avant-première mondiale le premier épisode de cette série, parce que c'est quand même remarquable. Et rendez-vous au prochain blog.